La fille de Babi même, c'est pas possible. Linda Dem, le nom vous dit quelque chose? Linda Dem, Tchengo Kokoti, bro, ne. Tchengo Kokoti, bro, ne. Linda Dem, elle fait du business à Babi. C'est-à-dire, elle a une boutique. Une très très grande boutique. Et cette boutique est financée par son copain libanais qui s'appelle Youssef le Libanais. Donc Youssef le Libanais, le magasin commençait à s'agrandir. Donc il a donné de l'argent à Linda Dem d'aller au Maroc pour aller faire des courses, pour ravitailler le magasin. Yeah? Donc c'est dans les courses là, Linda Dem est tombée sur le chemin d'un jeune homme qu'on appelle Yvon. Yvon, il a vu que Linda Dem, c'est une fille, une femme d'affaires qui a de l'argent. Lui était un gigolo. Et utilisait Linda Dem pour ses besoins personnels. Donc Linda Dem est tombée fan de Yvon. Yeah? Yvon, quand il veut 1 million, Linda Dem en aide. Bang. Pendant ce temps, Linda Dem a un gars à Babi, Youssef le Libanais. C'est-à-dire, elle trompe le gars avec le gigolo de Yvon. Yeah? Donc, un jour, un bon matin, Yvon a dit à Linda Dem, allons, on va se laver. Ils sont allés se laver. Oh, dans le lavement, Yvon a dit à Linda Dem, est-ce que tu peux sucer mon bâton, je vais te filmer. Linda Dem dit, ah, je t'aime, mais si je ne t'aimais pas, là, je ne vais pas te laisser faire ça. D'accord. Mais en condition que si tu filmes, ça reste entre nous deux. Yvon dit, non, toi aussi. Ça a resté entre nous deux, c'est rentré, c'est sorti là. Yeah? Elle a accepté. Elle a accepté. Yvon a filmé. Quand Yvon a filmé, c'était dans son téléphone. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en ville? Il va en ville là-bas, il montre la vidéo à ses amis. Il dit, oh, vous voyez la petite go de Babi là, qui a son shop là, il a mouru, regardez la preuve en est, voilà ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, yeah, je vais vous montrer ça, même les Américains ont vu la vidéo. La vidéo a fait le parcours de tous les réseaux sociaux. Tout le monde a vu la vidéo. Il y a un site américain qu'on appelle X, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un site américain qu'on appelle X Video. Ils ont même mis la vidéo là-bas. Tu vois? Je vais vous montrer ça. Voilà, voilà le site. Vous voyez? Je vais cliquer sur la vidéo. Vous allez voir. Vous voyez? Elle est là, Jagger son pétou. Avec ses lolo de papaye. Yeah? C'est Michelin, c'était cracra. Yeah? Elle, elle faisait un petit tata même. Parce qu'elle a fait confiance à ce Yvon. Yeah? Attends, il a avancé un peu. Vous voyez? Non, Golo est cocotti, blonné. Vous voyez, il revient, et ça pourquoi il vous montre cette vidéo là. Voilà, là elle dit viens sucer ton bâton. Le mec, elle suce son bâton. Un mort avec un petit bâton comme ça. Lui aussi, il est là, il fatigue les filles là. Bon, bref. Je vous rappelle le site, on appelle ça X Videos. Yeah? X Videos. Yeah? Voilà. Donc, il y a eu cette affaire. Linda Dem était tellement stressée, elle voulait se suicider parce que sa vidéo a fait le parcours de tous les réseaux sociaux. Yeah? Les gens la consolaient. On dit, oh, faut te maîtriser. Oh. Donc, il y a une fille à Paris qu'on appelle Christelle l'Italiana. Elle est rentrée en contact avec Linda Dem. Elle dit, Linda, faut pas pleurer. Yeah? Voilà, si tu veux quelque chose, fais-moi signe. Une go de 40 ans.
que oh, tu peux me prendre comme ta vieille mère. Yeah? Linda Dem a commencé à faire confiance à cette dernière. Tu vois? Les gars causaient nuit, jour et nuit, tout et tout. Elle a gagné la confiance. Tu vois? Donc la vieille mère en question qui s'appelle Christelle, l'italienne, vous pouvez taper son Facebook, est venue. Par exemple, Linda Dem, quand c'est passé, elle a pardonné. Elle a pardonné Yvon. Par exemple, Yvon a fait une vidéo pour demander ses excuses. Donc elle a repris avec Yvon. Mais son gars libanais, puisque les gens se moquaient de lui, oh, donc lui il est rentré en brousse. Mais par contre, après il a pardonné. Mais Linda Dem sortait avec Yvon en cachette. Tu vois? Donc, Linda Dem est retournée à Babi pour s'occuper de ses business. Yvon étant au Maroc, il a décidé aussi de rentrer à Babi. Quand il est rentré à Babi, il n'avait pas où dormir. Il dormait au marché de Makori, là, en bas des tables. Linda Dem a eu pitié de lui. Elle a demandé encore 1 500 000 à son mari, le Libanais. Elle a pris une résidence meublée à, comment on appelle, à la Riviera Golf. Et elle se cachait. Elle vivait même avec Yvon dans la maison meublée. Et le Libanais a pris drap. Il a laissé tomber, comment on appelle, Linda Dem. Pour de bon. Il a laissé tomber Linda Dem pour de bon. Donc, Linda Dem vivait dans la résidence avec ce dernier-là, Yvon, qui dormait avant sous les tables, un Bachroman. Yeah? Donc, ils étaient ensemble. Linda Dem aussi était toujours en contact avec sa vieille mère qui est en France, qui s'appelle Christelle Italiana. Un jour, Christelle Italiana décide de venir en vacances à Abidjan, à Babi. Christelle Italiana étant, soi-disant, la vieille mère de Linda Dem. Tu lui donnais le conseil, oh ma petite, oh c'est comme ci, comme ça, les gars, tu vois, non? Étant sa bonne vieille mère. Un bon matin, Linda Dem allait au marché pour aller acheter des aubergines. Et sur la route du marché, elle a oublié son portefeuille. Son portefeuille. Maintenant, elle venait à la maison prendre son portefeuille. Imaginez la suite. Sa vieille mère avec Yvon sur le lit conjugal. Yvon était là, lapé le clou de, comment on appelle, Christelle Italiana. Il a pris son bâton, il frottait ça sur le clito de Christelle Italiana. Vous pouvez aller checker comment on appelle, le Facebook de Christelle Italiana. C'est tout inversé là-bas. Yeah? Et on parle à Linda Dem. Faut laisser ce Yvon là. Elle veut pas croire. Elle veut pas. Elle sait que non, elle a la vérité sur elle-même. Mais elle veut pas croire. Quelqu'un qui les a pris en flagrant délit. Quelqu'un qui t'a filmé. Qui a distribué la vidéo partout dans le monde entier. Yeah? Tu l'as pardonné. Ta bonne vieille mère. Qu'est-ce que tu disais ta bonne vieille mère? Ça, je conclue maintenant. Elle vient en vacances. Une maison que toi-même tu payes. Yeah? Ce dernier encore vient coucher avec ta bonne vieille mère sur le lit. Là, tu vas où? Si ce n'est pas malédiction, c'est quoi? À cause de cette histoire de Yvon, là, tu ne parles même plus avec tes parents. Hein, Linda Dem? Tu n'es pas. Pour toi, là, c'est malédiction. Faut aller lancer Cory. Cory dans la mer. Trois Cory dans la mer. Tu dis, mamie, wata, blam, dinoune, blam, 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 blam. Non, tu as fini ta carrière. Donc, c'est l'histoire qui se passe au Maroc. Yeah? Voilà. Linda Dem, tu es un go. Kokoti, kwajo, oh, blone. Iyo. Kokoti, kwajo, oh, blone. Iyo. Donc, yeah, big up à tout le monde. Big up à Manuela Yao. Big up à Domichou Ange depuis le Maroc. Big up à qui encore? Big up à l'empereur Bro Logiciel. Big up à Mati Dola, Taliban Choco. Yeah, yeah. Big up à toute la Power Gang. Yeah. On ensemble. Yeah, yeah. Nzuelenga. Yeah. Attends, je fais un big up de quelqu'un rapidement. Voilà. Big up à Vistel Wifi. Voilà.
On est ensemble. Linda Dem, tu nous allons regarder 10 minutes. Yeah, il n'y a pas trop duré. Aïe, yeah. Les souris qui fait jouer. A coupé, oh.